Thunderstruck, AC/DC, vous connaissez sûrement. Ça vous dit d'essayer un petit exercice de coordination à partir de cette musique? C'est parti! Salut à tous, c'est Robin Mace. Normalement, l'introduction de Thunderstruck se joue uniquement à la main gauche en utilisant des coulées. Ceci est réalisable à la guitare électrique car elle répond plus facilement aux impacts donnés par les doigts de la main gauche grâce à son système d'amplification de micro. Pour que les notes soient audibles sur une guitare classique ou acoustique, nous allons attaquer chaque note à la main droite. Afin de pouvoir jouer rapidement, je propose d'utiliser le doigté du trémolo PAMI. Voici un exemple. Cependant, il ne sera pas possible de jouer aussi vite car nous aurons besoin de synchroniser ce doigté avec la main gauche. Pour jouer le début de Thunderstruck, attaquez la deuxième corde à vide. Ensuite, posez le premier doigt à la quatrième case de la deuxième corde avec le premier doigt et jouez la note. Attaquez de nouveau la deuxième corde à vide, puis posez le quatrième doigt à la septième case de la deuxième corde et jouez la note. En attaquant la première note avec le pouce de la main droite, les cordes à vide de l'exercice seront attaquées par le pouce et le majeur. Exercez-vous à faire l'inverse, c'est-à-dire à utiliser l'index et l'annulaire pour attaquer les cordes à vide. Vous pouvez varier l'exercice en jouant 2 fois, 3 fois ou 4 fois chaque note, et pourquoi pas 3 fois une même note, suivi d'une seule fois la suivante, etc. Voici quelques exemples. Je trouve intéressant par la suite de faire un exercice semblable en utilisant le deuxième et le troisième doigt de la main gauche sur des cases conjointes pour aussi travailler sur la réactivité de ces 2 doigts. Il est possible d'aller encore plus loin dans la recherche d'exercices en utilisant les 4 doigts de la main gauche sur un même exercice. Voici 2-3 exemples. Ces exercices permettront d'améliorer la réactivité ainsi que la coordination des doigts. Allez-y très progressivement au niveau de la vitesse. Il est important que chaque note sonne clairement. Abonnez-vous pour plus de contenu, petit pouce vers le haut si vous avez aimé et partagez la vidéo à des amis guitaristes. Ciao !